Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut identifier la source de nos bugs à l'aide de Jupiter et des 3JS. Donc, la petite histoire, en fait, derrière cette présentation, c'est que donc moi, je suis développeur chez Théodo et en arrivant ici, le premier projet sur lequel j'ai été, c'était un client, un cabinet d'avocats qui voulait qu'on développe des, des features sur son application. Donc on développe semaine après semaine et à la fin de chaque semaine on lui demande est-ce que vous êtes satisfait avec le, le travail qu'on qu fournit. Et donc on voit que la première semaine ça allait à peu près et ensuite les barres rouges c'est les fois où il nous disait non on n'est pas satisfait. Bah, je suis pas satisfait. Et quand on lui disait pourquoi il disait il bah, y a trop de bugs. Mon application à chaque fois elle casse de partout. Moi je suis pas rassuré. J'ai bah, pas confiance en la stabilité de mon application. Et donc durant le déroulement du projet j'ai pas réussi à vraiment identifier d'où ça venait, mais à la fin, ça me, ça me titillait, je me suis dit, je vais regarder un peu les données que j'ai à disposition et je vais essayer de trouver d'où viennent ces bugs. Donc les données que j'avais à, à disposition, donc en fait, c'est les données Trello. Donc Trello, c'est un outil qu'on utilise pour suivre un peu notre flux de développement. Donc ça ressemble à un board comme ça, avec des, des colonnes, et il y a des cartes dedans. Au début de chaque semaine, on remplit une colonne qui s'appelle le Sprint Backlog. Et ensuite, au fur et à mesure de la semaine, on prend des cartes. On les met dans Doing, c'est-à-dire qu'on est en train de les faire. Ensuite, on les passe à, à valider. Donc, on demande au client, normalement, c'est fini, est-ce que c'est bon pour toi Et après, les, les cartes sont données et c'est fini, on n'y touche plus. Et sur ce, ce board, on a donc tous les développements qui ont été faits toutes les semaines du projet. Et à chaque fois qu'il y a eu un problème, on a mis une petite étiquette rouge en disant, là, il y a eu un bug, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est la première source de données que j'ai eue. Et la deuxième, c'est les données Git. Donc, Git, c'est un outil de versionning qui permet d'enregistrer toutes les modifications qu'on fait au fur et à mesure. Et donc pour chacune des features, des, des tickets que j'ai implémentés, ben, en fait, je sais exactement ce que j'ai fait dans le code pour ce ticket. Et plus précisément, je sais à quel fichier j'ai touché. Et donc ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a des endroits de l'application, certains fichiers dans l'application, où quand je les touche, eh ben, il, y a, il y a beaucoup de bugs. Donc pour faire ça, j'ai utilisé Jupyter. Donc, Jupyter, c'est un environnement de développement qui est très adapté pour euh, manipuler de la donnée de manière un peu exploratoire, parce qu'on peut itérer très facilement, on a un feedback sur tout ce qu'on fait. Donc, c'est assez, euh, assez pratique. Il y aura une démo où vous pourrez voir comment ça marche. Et D3.js. Donc, D3.js, c'est une, euh, une librairie JavaScript qui permet de faire de la visualisation. Donc, pourquoi j'ai utilisé euh, D3 C'est parce que pour représenter en fait toute l'arborescence d'un répertoire avec euh, des centaines, voire peut-être des milliers de fichiers, en fait, ben avoir des, des histogrammes ou des, des lignes ou des camemberts, ça ne suffisait pas. Et ça, c'est une librairie très complexe, ben assez bas niveau, qui permet de faire des choses très riches et interactives. Et en plus, il y a une grosse communauté, donc il y a beaucoup de visualisations qu'on peut réutiliser en faisant un copier-coller sans, sans coder la moindre ligne. Et donc, c'était euh, très adapté à ce que je voulais faire. Donc, je vais commencer par. Euh, je vais vous montrer. Donc, ça, voilà. C'est un notebook Jupiter. Donc il euh, y a des blocs comme ça qu'on peut exécuter et on a le retour sur ce, qui, euh, sur, euh, ce que l'on fait. Donc on peut afficher des graphes et euh, on peut itérer. En fait, les opérations qu'on fait sont, restent en mémoire et donc on, on peut vraiment exécuter les lignes de code une par une. Et donc c'est très pratique pour, euh, bah pour, euh, pour explorer de la donnée. Donc la première donnée qu'on utilise, en fait, c'est la donnée... Donc en fait, toutes les informations de ce board... Elles sont disponibles très facilement en faisant une petite manip comme ça. Donc, euh, on va avoir toutes les étiquettes rouges, on va avoir les temps passés sur les tickets, quand est-ce que ça a été fait, les différentes actions qui ont été faites sur chacun des tickets. Donc, c'est un peu moche, c'est euh, la donnée un peu brute, mais après c'est euh, Python qui s'en occupe. Donc, en quelques lignes, on peut tracer, euh, on peut récupérer les numéros d'étiquettes et est-ce qu'il y a eu un problème avec ce ticket ou pas et en affichant quelques-uns, on a ça. Donc là, on voit les tickets 840, tout s'est bien passé, 850, il y a eu un problème. Et voilà. Ensuite, les données de Git. Donc les données de Git, comme je vous disais, c'est toutes les modifications qui ont été faites euh, sur l'application. Donc euh, on a un identifiant pour la pour la modification et on a aussi sur chacun des euh, sur chacun des noms de commit, on a le numéro du ticket associé. Donc ça ça va nous permettre de de faire le lien entre ce qui a été modifié dans l'application et est-ce qu'il y a eu un problème ou non. Ensuite, pour chacun de ces commits, on peut récupérer les fichiers qui sont modifiés. Et à partir de tout ça, donc ensuite, on fait le, le lien entre tout ça. On peut récupérer donc les noms des les numéros d'étiquettes, est-ce qu'il y a eu un problème et les fichiers qui ont été modifiés, s'il y a eu des fichiers de modifiés. Normalement, ça va bientôt apparaître. Donc voilà. Donc là, j'ai ma donnée qui est exploitable. Donc voilà. Là, vous voyez, numéro des, des tickets, est-ce qu'il y a eu des problèmes, et puis les fichiers qui ont été modifiés. Maintenant, il faut trouver la bonne visualisation. Donc euh, comme je vous ai dit, il y a plein de visualisations qui sont disponibles sur euh, le site de D3JS. Je vous conseille d'y aller. Et donc moi, celle qui m'a bien plu, c'est celle-là. Donc en fait, c'est des cercles imbriqués. Donc c'est interactif, on peut zoomer, on peut se balader euh, dans les différents cercles. Et donc moi je voyais bien en fait euh, chaque répertoire de mon application être un gros cercle vert, mes fichiers au bout être des petits cercles blancs. Et plus il y a eu de bugs sur un fichier, plus le cercle blanc est, est gros. Donc concrètement, une visualisation c'est quoi Donc c'est un bout de code, donc c'est de l'HTML et du, et du JavaScript. Donc ça peut être un peu effrayant, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut le, le prendre, le copier, le mettre dans un fichier. Et ça marche, on n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, ce qu'on va devoir faire, on va devoir lui donner de la donnée sous le bon format. Donc à quoi ressemble la donnée Ça ressemble à ça. Donc un cercle, il a un nom, et il a soit des enfants, ça va être les cercles qu'il y a à l'intérieur, soit une taille. Et dans ce cas-là, ça va être un cercle blanc, et puis euh, en fonction de sa taille, il sera plus ou moins gros. Donc voilà, Donc, je me suis dit que j'allais commencer par visualiser tous les fichiers de, de mon application. Avant de regarder là où il y avait eu des bugs, je voulais voir à quoi ressemblait mon application. Donc, ça, avec une ligne de commande, assez facilement, on peut lister tous les fichiers. Donc, là, voilà, c'est le début des fichiers de mon application. Ça, c'est une petite fonction qui permet de prendre la liste et de, de créer les noms, les enfants, les, size, les tailles, etc. Et ensuite, on peut afficher l'application. Donc. Voilà à quoi ressemblait l'application. Donc, chaque petit point blanc, c'est un fichier euh, du, du projet. Et puis là, on peut se balader un peu. Et puis alors, euh, donc ça, c'est toute la partie euh, donc Symfony 2. Euh, c'est un framework en euh, bon, PHP. C'est un peu technique. C'est beaucoup là-dedans qu'on en fait, qu faisait nos développements au quotidien. À côté, on voit aussi tout ça. Donc, ça, c'est une partie un peu legacy. C'est une technologie plus ancienne. C'est du, du, du Symfony 1. Et en fait, à chaque fois qu'on touchait à ça, on avait un peu peur parce que c'est une techno que. Bah, c'est pas très développeur-friendly. Et donc, euh, à chaque fois qu'on touchait à ça, on avait un peu peur de tout casser. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de bugs qui se retrouvent dans cette partie. Et là, on a la partie plus euh, déploiement. Donc, c'est euh, tous les environnements sur lesquels on pouvait déployer. On peut voir la prod ici, euh, notre environnement de validation ici. Euh. Donc, voilà. Donc, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, où sont les, les bugs là-dedans. Et donc pour ça, donc, euh, je vais choisir que les, que les cartes sur lesquelles j'ai eu des bugs. Et ensuite, je vais afficher euh, à quoi ça ressemble. Et donc là, voilà où sont mes bugs. Donc assez surprenamment, en fait, on a assez peu de bugs dans la partie euh, legacy, dans la partie ancienne qui, moi, me faisait peur. Et la plupart de nos bugs se retrouvent, en fait, dans la partie euh, qu'on a développée nous-mêmes. Et en, en fouillant un peu. <laughs> En fouillant un peu, c'est même les, les parties qu'on a développées from scratch, où en fait, il n'y avait rien du tout et on a, on a développé des nouvelles features et c'est là-dessus que euh, on cassait plein de choses. Et donc, euh, bon, j'ai été un peu surpris. Et en fait, l'apprentissage derrière tout ça, c'est que quand on a une, une grosse application avec pas mal de legacy, c'est pas forcément le fait de faire des modifs dans, le, dans la partie ancienne, mais c'est plutôt de mesurer les impacts, de faire des, nouveaux, des, nouvelles, euh, des nouvelles features. Quand on dé développait des features, on n'avait pas du tout les... On n'avait pas d'idée sur les impacts que ça allait avoir sur tout l'existant de l'application. Donc voilà euh, pour la petite démo et pour le petit apprentissage. En fouillant un peu dans la donnée, j'ai trouvé d'autres euh, petits apprentissages. Je vous en partager un autre euh, qui était euh, donc concernant la taille des modifications qu'on fait. Donc là, en abscisse, donc vous avez le, le nombre de fichiers modifiés par, euh, par feature, par ticket qu'on euh, qu tire dans le flux. Donc il y, y en a beaucoup où, en fait, euh, il a suffi de modifier un seul fichier, et on a quelques-uns où il a fallu de modifier plus de 20 fichiers. Et donc je me disais, est-ce qu'il y a des bugs Est-ce qu'il y a plus de bugs quand on modifie plus de fichiers Assez naturellement, je me disais oui. Et en fait, le résultat est aussi un peu surprenant, parce que jusqu'à 7-8 fichiers, en fait, euh, en proportion, on a moins de bugs. Donc là, on a toujours le même nombre de fichiers modifiés, et en ordonnée, c'est la proportion de bugs. Donc 04, ça veut dire qu'il y a 4 features sur 10 sur lesquelles il y a eu des bugs. À six fichiers, il y a peut-être une feature sur 10 sur laquelle il y a eu des bugs. Par contre, quand on dépasse 10 fichiers, alors là, il y a presque tout le temps des bugs. Donc voilà, c'est un autre petit apprentissage. Et c'est tout pour moi. Est-ce que tu as essayé d'explorer de avec le, ton même code, à une autre base de code Alors non. En fait, euh, là où on avait de la chance, c'est qu'on avait l'habitude sur, euh, bah sur ce projet-là de mettre les numéros des tickets des cartes Trello. Dans, euh, dans toutes les PR, dans tous les commits. Et donc, c'est ce qui m'a permis de faire le lien. Et c'est vrai que sans ça, bah, on ne peut pas vraiment. Mais euh, il faudrait instaurer ça partout. Et comme ça, on pourrait faire ça <laughs> sur tous les projets. Remplir le Trello. Alors, remplir le Trello, c'est quelque chose qu'on fait avec le client euh, semaine après semaine. Et exporter les données, en fait, c'est ce que j'ai fait en appuyant sur le, sur le bouton. Donc, on a un gros JSON. Donc, c'est de la donnée structurée. Ça se passe assez facilement. Bah, en une en 15-20 lignes de code. Bon, ça va peut-être pris une heure et demie, mais c'est euh, quelque chose qui se fait, euh, qui se fait bien. Est-ce que j'ai ça m'a pris du temps de développer les fonctions pour faire la visualisation des données Alors, en fait, non, parce que la visualisation, la fonction qui fait la visualisation, en fait, elle, est, elle existe déjà. Donc, euh, j'ai quand même... Euh, j'ai un peu bricolé de manière à pouvoir l'afficher à, à même le notebook. Sinon, ça, on peut l'afficher dans une page HTML à part. Mais... Euh, donc, ça, il a fallu que je fouille un peu, donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'était vraiment du bonus. Avoir la visualisation qui marche, c'est un peu immédiat. Il faut trouver comment euh, prendre la liste et puis la mettre en, bien la formater. Mais en fait, avec Jupiter, l'avantage, c'est dès qu'on essaye quelque chose, on a le retour sur est-ce que ça marche ou pas, ce qui reste à faire, et donc ça, ça se fait assez bien. J'ai peut-être passé un après-midi. La question, c'est est-ce que je suis rentré dans la fonctionnalité, le rapport entre la fonctionnalité du, du ticket et est-ce que ça a créé des bugs Donc, euh, Ouais. Alors en fait, avec euh, certains frameworks, là, je vois les fichiers qui ont été modifiés, et souvent, quand on a un, un répertoire qui se construit et qui est modifié, il est associé à une, euh, à une feature de manière générale. Là, sur les, là où il y a eu des bugs, en fouillant un peu, j'avais le nom des, des contrôleurs, des vues, des choses comme ça, et donc ça m'a permis euh, de, de refléter sur euh, quand est-ce qu'on avait touché à ces fichiers et euh, quelle fonctionnalité ça, ça correspondait. Mais de manière complètement programmatique, je ne saurais pas faire. Est-ce que tu as regardé euh, sur un axe du temps, en fait Est-ce que, les bugs plutôt au début, plutôt à la fin du, du projet Alors, euh, oui. Donc, c'est un, un autre graphe que j'avais. C'est dans la version longue de la présentation. Et, euh, et en fait, il bah, n'y a, a pas eu un moment où il y a eu un pic. Et euh, donc, ça, c'était un. Il n'y a pas eu une période où il y a eu plus de bugs qu'une autre. Est-ce que j'ai osé aller voir s'il y avait une corrélation entre qui faisait le développement et euh, est-ce qu'il y avait des bugs ou pas Et non, j'ai préféré rester neutre sur... <laughs> est-ce qu'il y a beaucoup de tests dans l'appli Donc il euh... Donc, euh, y a des parties qui ne sont pas très testées. Donc en particulier toute la partie un peu legacy, la partie un peu ancienne. Et la partie qui a été développée. Euh... Donc en fait, le, le projet a 8 ans, l'appli a 8 ans. Il y a eu 4 ans d'une autre entreprise et 4 ans de, de Théodo. Et la partie Théodo est mieux testée, donc la partie Symphonie 2. Mais, euh, voilà. Mais euh, on n'a pas un code coverage de 100 Maintenant que j'ai compris un peu mieux ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de bugs Alors, je me suis pas retrouvé dans une autre situation où il euh, y avait autant de bugs et avec, euh, en fait, je me suis pas retrouvé dans la même situation. Et donc, ce que j'ai surtout fait, c'est partager mon apprentissage. À part ça, je n'ai pas mis en place des choses plus, euh, plus concrètes que ça. Quelle est la valeur de Jupiter, étant donné que toute la donnée est comprise dans le trello sur le numéro du ticket et dans le guide sur les fichiers qui ont été modifiés En fait, la valeur de Jupiter, ce n'est pas dans la donnée disponible, c'est dans le flux de développement. Je pense que ce que j'ai développé en une après-midi, en quelques heures, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps si à chaque fois, il avait, il avait, j'avais écrit un script, je l'avais exécuté, j'avais regardé le résultat dans la console, j'avais… J'avais printé, j'avais itéré comme ça. Avec Jupiter, on peut vraiment exécuter une ligne de code. Si ça marche pas, on revient en arrière, on exécute une autre ligne de code, on ajuste petit à petit, et ça permet vraiment d'avancer pas par pas. Et, euh, et donc c'est surtout dans la, la manière de développer plus que dans la, la donnée qui est disponible.